Mais même le coca, maintenant, il a un goût amer à cause de Toshi. J'ai la rage. J'ai la rage, les amis. Yo tout le monde, c'est Sofiane Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ou Shaft. Oui, effectivement, Shaft, Théma, mon écran. Tu vas comprendre. Voilà, Jiren, 14 étoiles. Ensuite, le cuistot, casserole, poêle, fourchette, couteau, appelle-le comme tu veux, four à cuisine. 14 étoiles, je te montre pas Kawaii, on n'en est pas loin, et toujours pas de tag. Toujours pas le foutu tag. Attends, allons encore plus loin, je vais te montrer. Allons encore plus loin dans la bêtise, hein. 50 médailles. Tiens donc, 50 médailles, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah, forcément, la pitié. Voilà, c'est... Voilà. Le shaft suprême pour, du coup, cette première partie de l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Ça fait mal. Ça fait mal. Ferme-la. La rage, d'accord? Non, c'est normal en fait parce que je me dis, c'est pas comme s'il n'y avait qu'une seule partie dans l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Il va y avoir au moins trois parties. Donc là, je me dis, j'ai dilapidé plein de cristaux, j'ai payé, j'ai payé, j'ai payé. Il y a encore la deuxième partie, il y a encore la troisième partie. Et je me suis déjà fait shaft à la première partie. Imagine la deuxième et la troisième, ça se passe comment? Je vais péter un plomb. Alors bien évidemment, les amis, sur cette vidéo, on va partir en PVP. Faut que j'aille calmer mes nerfs, d'accord? Et on va prendre bah, la même team qu'on avait showcase sur la vidéo d'il y a 2 ou 3 jours. Hein, voilà, avec le fameux Jiren casserole, etc. Sauf que là, bah, ils ont power-up. Hein. Ils ont power-up, les petits bonhommes. Hein. Bah ouais, les Power Rangers, ça, ils sont passés 14 étoiles. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Max de pouces bleus, les amis, s'il vous plaît, en mode Genkidama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et je tiens également à préciser, merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents et présentes sur mon live YouTube hier soir pour les invocations et tous ceux qui ont suivi pour la suite de la deuxième partie des invocations sur ma chaîne Click. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Click, que vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. On a dépassé les 1100 followers en une semaine et on a eu 60 subs hier. Et en plus de cela, vous pouvez retrouver du coup les rediffs de mes invocations sur cette fameuse chaîne Click, Sofiane Geek. Encore une fois, vous retrouverez du coup le lien dans la description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Au moins, on se contente comme ça, on est parti en PVP. Yeah! Première game, Charlotte, Gogeta Ultra, etc. Bon, je prends ces trois-là. Bon, vu que c'est pas bien nettoyé, vous savez quoi? J'ai même pas envie de jouer le Jiren, le poêle, les casseroles, les cuistots, les Power Rangers. La vérité, j'ai même pas envie, je suis écœuré, j'ai la rage de devoir jouer ça. J'ai la rage, la vérité. Vous savez quoi? Je vais juste essayer de jouer avec Kid Bultra. À un moment donné, voilà, si je vois que je suis un peu en galère, bon, voilà, je vais tanker un petit peu avec les persos, mais j'ai même pas envie de m'amuser avec les deux Power Rangers sans tutu. Tu vois ce que je veux dire? La vérité, c'est... Qui a envie de jouer vraiment à cette première partie d'anniversaire avec Casserole? Mais la vérité, tu crois que Casserole, ça me hype, moi, de l'avoir 14 étoiles? Je m'en tape! Je suis écœuré, j'ai même pas envie de les jouer. Juste Kid Bultra 8 étoiles, ça va me suffire. Allez, vas-y, tape-moi. Et même si on perd, la vérité, j'ai même pas envie de faire des dégâts avec Jiren ou Casserole. Allez, vas-y, tape, vas-y. J'ai même pas pu esquiver. Ok, vas-y, là, vas-y, on va tanker là-dessus. Ok. La vérité, regarde. Qu'est-ce que tu fais, le Power Rangers, là, avec ton trou dans le dos? Vas-y, vas-y, fais-toi cogner le crâne, là, vas-y. Fais-toi cogner ton crâne, là. Vas-y, encore, vas-y, vas-y. Cogne, défonce-le. C'est moi, je dis à l'adversaire de le défoncer. Voilà. Vas-y, 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 j'arrête de taper avec toi, là. Hop, voilà. On reprend le Kid Buu. Je vais te montrer, j'avais pas besoin. J'avais pas besoin du Jiren. J'avais pas besoin de la poêle et la casserole. Regarde, voilà. Tiens ou pas? Tiens ou pas? Regarde, Kid Buu Ultra 8 étoiles. Il n'y a pas besoin de casserole 14 étoiles. Il n'y en a pas besoin. Regarde, regarde. Tu vois ou pas? Voilà, vas-y encore. Voilà, vas-y. Vas-y, il va cover ou pas? Ah, il cover pas. Il va peut-être cover là-dessus. Même pas. Enfin, je dis cover, tanké. Voilà, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots, frère. Regarde, Kid Buu. Tout seul. Tout seul, Kid Buu. On laisse sur le terrain, Kid Buu. Ok, vas-y, cogne. Vas-y, cogne. Vas-y, vas-y, cogne. Allez. Vas-y, cogne. Allez. Ciao, pas. Kid Buu Ultra, ça suffit. Kid Buu Ultra, ça suffit, frère. Allez, vas-y, c'est parti. Bim! Est-ce que j'avais besoin de Jiren? Non! Bim! Est-ce que j'avais besoin de casserole? Non! Bim!
Fais-toi plaisir. Bim. Voilà, montre. Voilà, vas-y. Montre ta rage. Voilà, vas-y. Voilà, encore. Voilà, c'est KO. Est-ce que j'ai besoin de la poêle et de la casserole? Non. Vas-y, tape. Crit, vas-y, si tu veux. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Enlève-moi toutes mes cartes si tu veux, frère. Voilà, enlève toutes les cartes si tu veux. Vas-y, fais ton ultime. Fais ce que tu veux. Je remets pas Jiren et la casserole. Jusqu'il boultra, ça me suffisait. Vas-y, ok. Voilà, c'est fini pour toi. Voilà, qui boultra, ça suffit, 8 étoiles. Pourquoi on m'a donné la poêle et la casserole? Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frère? Ouh, ouh, ouh. Il est où mon tag? La vérité, chaque fois, voilà. Tu vois, j'ai même pas l'envie de jouer ce Jiren et ce monsieur casserole de pacotille, là. Chef Cuisto et Chebest. Je vais l'appeler Philippe et Chebest, frère. La vérité, voilà, on prend les médailles, voilà. La vérité, c'est... Allez, deuxième combat, il y a du Gogeta Blue Ultra, il y a du Broly, il y a du Gogeta Ultra, il y a même Migaté aussi. Pff, franchement, c'est quoi cette team qui ressemble à rien? Regardez la team, on a des persos en collant qui font de la danse classique, frère. C'est... Non, franchement, c'est hypant, franchement, de jouer ça, la vérité. Ok, il a mis Migaté. Bon, là, j'avoue, je vais pas pouvoir faire juste le malin avec le Kid Blue Ultra, on va pas se mentir, parce qu'il y a Migaté, qui est type rouge et tout. Qui est assez casse-tête à jouer, il est casse-bonbon, parce qu'à mon avis, le mec, il va jouer sur la tempo, et puis sur le fond de map, avec la jauge unique qui lui permet d'esquiver facilement, il y a les clashs automatiques également, donc on va faire quand même attention, mais je suis... La vérité... Allez. C'est parti. Allez, Kid Buu. Huch. Tu vois, je mets même pas là, voilà, je... Oh oui, bien. Oh non, non. Mais tu vois, est-ce que j'avais besoin de la casserole? J'en ai pas besoin de la casserole. Regarde, Kid Buu Ultra, ça suffit, frère. Kid Buu Ultra, ça suffit. Ok. Fais-toi plaisir. Fais. Ok, ouais, par contre là tu vois, c'est ce que je disais. Là par contre je suis obligé absolument, sinon je perds le Kid Buu, hein. Ok, casserole. Fais-toi fouetter, bison de Street Fighter là, avec ton béret là. Allez, vas-y. Allez. Ok, la cover, normal. Ok. Ok, ça tank. Ça tank. Crève. Tue-le. Crève. Enfin, franchement, on va voir. Si je le contre pas, crève. Meurs. Eh ben, meurs. On n'a pas besoin de toi, Jiren. Ça dégage. Va sur le banc. Va sur le banc des accusés. Crève, dégage de là. On n'a pas besoin de toi. Kid Buu, ça suffit. On a même casserole aussi. C'est très bien. Vas-y, casserole. Montre un peu, là. T'es un chef cuistot ou pas? Chef cuistot ou pas? Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais, je... Oh, oh! Mais c'est quoi ça? Mais frère, je l'ai... Mais c'est une désintégration, là. Mais qu'est-ce qu'on a vu, là? C'est une désintégration. C'est... Les dégâts étaient insane. Mais je t'aime pas quand même. Troisième game, monsieur se permet de venir avec son tag. Ah bon? Très bien, je vais me défouler, frère. Voilà, je vais me défouler. Bon, en vrai, il a raison. J'aurais le tag, j'aurais fait pareil. Bien sûr que je vais en PVP avec. Je l'ai pas. Je l'ai pas.
T'as mis casserole, le tag, Gogeta, très bien. Je te prends juste Kidbou, frère. Je te prends que Kidbou dans la game, c'est bon? Je te prends Kidbou. Je sors personne d'autre que Kidbou. Si je perds, je perds. Je prends que Kidbou. Pour vous montrer, j'ai pas besoin de Jiren et de casserole. Bon, j'avoue, casserole, franchement, il a fait des dégâts de ouf. Et Jiren, j'en doute pas, il doit faire pareil, mais... Let's go. Allez. Frappe-le. Montre. Contre-type, pas contre-type. Frappe-le, frappe-le. Frappe-le, Kidbou. Montre-lui c'est quoi la puissance d'un ultra. Montre-lui c'est quoi la puissance. Voilà. Encore. Montre-lui. Tu vois ou pas? Tu vois? On a déjà enlevé plus de la moitié de la vie. Juste avec Kidbou à contre-type comme ça. Let's go. Vas-y, encore. Continue. Vas-y. Frappe. 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 On va récupérer l'esquive. Juste Kidbou, frère. Juste Kidbou. Vas-y, vas-y, le tag. Vas-y, mange. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Crève. Voilà, t'as vu le tag? Cuisine, allez. On n'a pas besoin de casserole pour aller envoyer à la cuisine. Allez, bim, allez, tu vois, ça désosse. Eh ben voilà, voilà. Ouh, 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 ouh. Je m'emporte, excusez-moi. Voilà, c'est le shaft. J'ai passé une mauvaise nuit. Voilà, j'extériorise ma rage, tout simplement. Du coup, voilà, encore des médailles, ça par contre, on prend, voilà. Bon, les amis, bon, bien évidemment, je me suis fait shaft. On ira chercher, voilà, à la pitié. Après, de toute façon, j'ai même dit hier, de par le sub-goal qu'on a fait, je pense que j'irai même refaire une dernière invocation dessus. Voilà, je pense que l'invocation, ça sera sans doute pour ce week-end, samedi. Et ensuite, il y avait également un sub-goal, duel invocation, contre mon fils. Donc du coup, duel invocation, moi j'irai invoquer sur le hit ultra parce que c'était le sub goal contre mon fils qui lui ira invoquer sur Goku Tag Freezer LF. Lui il est trop content. Allez, mais il va faire un duel invocation avec moi, il est trop content. Voilà les amis, s'il vous plaît, max de pouces bleus en mode Genkidama. Bien évidemment, faites attention à votre budget, ne mettez pas de l'argent bêtement dans le jeu. Regardez, moi je l'ai fait. Ça va, c'est mon taf, donc voilà, bien évidemment, voilà, c'est comme ça, faut accepter le shaft, il n'y a pas le choix, mais faites attention à votre budget, ne mettez pas d'argent pour vous mettre en galère, et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Hey les gars, c'est Goku, abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek, Kamiya.